pensais que tu parlais des étages en fait, parce que... Ta gueule, je parle. Bonsoir à tous et bienvenue sur mon channel. Ce soir, on se retrouve avec DuckNecken64 en compagnie de Moonlight. Donc on a voulu faire une vidéo un peu rétro. Donc on est parti sur ce jeu de ouf. Et c'est con, vous venez de rater un gros truc parce qu'il savait même pas qu'il était sur l'écran du bas. Si, je savais que j'étais sur l'écran du bas. Non, t'es un mytho, ça fait 10 minutes que j'ai commencé. Ta gueule, c'est juste que j'étais sur le... Ah, j'étais parti à l'étage, moi déjà, je dis putain, je t'attends pour... Retourne-toi, je suis là, au lieu de danser, là, t'es en train de faire un twerk, je sais pas... Regarde, regardez à quoi on ressemble. Retourne-toi, tu regardes le mur. Yeah. Il veut pas me regarder. Mais c'est toi qui es dans... Mais... Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est toi qui regarde le mur. Mais non, c'est pas moi, moi je te regarde. Là t'es en face de moi là, là t'es dans le mur. Oh putain. Ah là tu vois on se regarde, salut. Moi alors il doit y avoir un problème parce que... Ah ouais d'accord, en fait je crois qu'il y a un gros bug parce que toi tu crois que je suis en face de toi mais je suis à côté de toi en fait. Non là t'es en face de moi. Je te jure que je suis pas en face. Je te jure, tu verras sur la vidéo, je suis pas du tout en face. Là je suis en face de toi. Attends. Oh laisse tomber, tu sais quoi, on s'en fout, vas-y on avance. D'ailleurs tout à l'heure t'as tiré sur un mec que je ne voyais pas. Attends, faut que je trouve la touche pour la grenade. Alors on va appuyer sur toutes les touches. Bon bah si ça. Attends, non mais c'est parce qu'il faut que je fais exploser le mur en fait. Faut que je fais exploser le mur. Non c'est au cas où on meurt en fait. Il y a juste rien derrière le mur en fait. Bon bah les couilles. Trouve-moi la touche pour la grenade et jette une grenade. Eh regarde d'ailleurs si t'en as. Non t'en as pas. Ok, j'ai des grenades, j'arrive, je vais tout faire exploser, comme ça tu seras content. T'en as là? Oui, j'ai des mini nukes. Vas-y, bah mets-la là-bas là. Dans les toilettes. Ici, attends, là. Moi je peux passer par là. Oh putain, y'a des... Alors là t'es en train de regarder une... T'es en train de regarder une poubelle, je sais pas ce que tu fais. Bon là je suis dans... Putain j'arrive pas à passer par contre. Pourquoi il veut pas passer ce con? T'es en train de foncer dans un mur, c'est juste ignoble. Je te vois. Là t'es dans l'ascenseur là, je sais pas ce que je... Ah putain mais comment tu bugs, c'est horrible, je suis dans la salle de ciné là, où on est rentré tout à l'heure. What the... Tu sais où... Non mais c'est pas moi qui bug, c'est pas possible. Merde, je l'ai pas acheté. Ah j'avais oublié, ça se déclenche comme ça. Ah bah c'est bon, ça a marché quand même. Hop. Là t'es en train de prendre un... T'es en train de prendre ton pistolet. T'es en train de tirer n'importe où dans un mur là-bas. Non, il y a deux mecs devant moi qui sont en l'air. Alors, il doit avoir un gros bug. Je te jure, je te vois tirer, mais t'es complètement à l'ouest. Oh putain, c'est énorme. Tu me tires même pas. Vas-y, tu sais quoi, on va faire chambre à part. Moi, je vais monter l'ascenseur. Bah, vas-y, on se retrouve dans l'ascenseur, d'accord? Tu me dis quand t'es dedans. Attends, j'ai fait péter le truc que tu m'as dit de faire exploser. Mais non, t'es en train de tirer n'importe où. Mais le. Mais comment tu peux savoir que je suis en train de tirer? Parce que je vois ton écran, banane. Ah, et là je regarde quoi de mon écran? Alors là t'es dans la salle où il y avait les fast food, tu sais, le comptoir là de derrière. Là tu tournes ta caméra vers la droite. La salle des fast food c'est ton écran. Pas du tout. Si, bah si t'es sur... Donc moi ce que je vois de toi, t'es dans la salle des fast food. Ouais bah t'es à côté de moi là, je te regarde. Ah ouais? Là tu viens de sauter. D'accord, j'ai compris. Tu as le même bug que j'avais moi tout à l'heure quand je jouais, je vois les sprites à travers les murs. Tu vois les... Je dois voir les sprites à travers les murs. Non, mais je te vois clairement à côté de moi et ouais, ton écran, mais je suis pas c'est le même. Là, t'es dans la salle où il y a la fissure et tu tapes dans la porte. Oui, mais non, c'est pas du tout là que je suis. Et t'es où? C'est quoi ce bordel? Je suis derrière l'écran de ciné. Ah bon? C'est explosé. Bah oui, attends, oui. Je vais aller voir si tu l'as explosé parce que moi j'ai pas entendu de bruit d'explosion. Ça fait 20 minutes que je te dis que je l'ai fait. Bonsoir à tous et bienvenue sur mon channel. Ce soir on se retrouve avec DuckNecken64 avec Moonlight. Salut. Alors pour ce jeu, pour cette soirée plutôt, on a voulu retrouver un peu nos jeux d'enfance et partir sur du rétro. Ah c'est la merde. T'es déjà en haut? Putain t'es sérieux? Bah oui, je suis yo. Attends, j'arrive. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce jeu. Moi je vais te mettre un coup de pompe. Ah, démon. Un coup de pompe, bâtard là. Bâtard. Ah, je suis mort. Press open. Ah, mais j'ai plus d'armes du coup. Ah, t'as déjà ouvert le truc.
T'as un lance-roquette? Oui. Bah vas-y. J'ai visé correctement, mais voilà. Ça va, j'ai ouvert le raccourci, donc... C'était donc, très mauvais. Duck Nukem 64, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? C'est un jeu de psychopathe. C'est Duck Nukem avant qu'il fasse de la merde. Dans ouais, voilà. Rivers, c'est, par exemple. Ça. C'est l'un des seuls jeux qui était pas mal. C'était pas mal. Par contre... J'espère que t'as pas entendu ce que tu viens. D'accord. Oh, 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 y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Tu es où? Pourquoi t'ouvres le truc? Attends-moi. Bah je te sauve la vie. Non, j'étais en train de les défoncer. Maintenant, ouais. T'es fou. J'avais plus de munitions, donc bah, j'ai plus ce que j'avais. T'as chopé la carte déjà ou? Oui, attends, j'arrive, je vais chercher des armes. Attends, je sais plus comment ça baisse, j'arrive pas à... Ça baisse, c'est le bouton B. Après, je sais pas où tu l'as configuré. Ouah, j'ai plus de vie. On peut jouer à Balls of Steel, là? Don't have time to play with myself. Je crois que t'es mort, en fait. Il vient de me one-shot. Je fais comment pour ouvrir? C'est toi qui as la carte, en plus. J'ai fait un raccourci dans le cinéma, mais je sais pas du tout comment ça baisse. Ah, j'ai trouvé. C'est moi, j'avais. Ah merde. Ah putain, j'ai plus de vie. Y'a un monstre. Oh putain. C'est pas juste. Pour notre défense, nous ne sommes pas du tout en difficulté maximale, hein. Ouais, bon, fait ça, fallait. T'aurais pu le retenir, quoi. T'aurais pu ne pas le dire, surtout. Ah mais c'est trop galère, les contrôles sont juste à chier. En même temps sur 64 il y avait qu'un joystick, rappelle-toi. Donc c'est ouais bah ouais ouais. Oui. Bah lui il se balade comme ça tranquille. Il est fou lui. Attends, j'ouvre la porte. Kebab s'il vous plaît. Oh y'a un shotgun. Oh y'a un monstre. Non, file-moi les grenades, file-moi les grenades, prends les grenades. J'en ai pas du tout hein. Attends, merde, je suis où? Trop tard. Ouais, je suis passé à travers le mur. Ah putain, je me trompe de saut, de bouton pour sauter, c'est pour ça. T'as pris des grenades, tu paries enculé. Oh, Attends, vas-y, retourne dans la salle. Non, non, faut monter, t'as la carte, t'as dit. Viens. Ouais, mais non, fais péter le mur de la salle d'abord. Ah, bah, je sais même pas comment on les utilise, les grenades. Ouais, c'est avec le truc, la croix directionnelle, que tu sélectionnes les armes. Bah ouais, mais je les ai pas dedans. Et tu fais voilà. Ah bah... Si. Bah non. Salut. Attends, y'a pas des toilettes normalement dans les toilettes, y'a un truc. Ah si, dans les toilettes, je les ai trouvées tout le temps, mais... Et si, y'a un passage secret aux toilettes. Oui. C'est dans la dernière porte, il me semble. Pourquoi t'as fermé la porte? Ah ça, je non, kiffe. Je suis dans les le toilettes, bruit, là. Hein. Le t'es en train de chier. Jamais ça fait ça. Hop, le passage secret il est là. Allez, vas-y go. Elle meurt pas encore. Ok, je crois que tu vas mourir. Eh non. Je suis sûr ouais. Qu'il y avait rien en fait. Ah si, là y'a un... Ouais, je suis pas mort. Là y'a un ascenseur là. À ta gauche, ça c'est un ascenseur ça. Hein? Oui. Et je suis déjà allé, ils sont tous déjà morts. Bah c'est con, on va pas pouvoir le péter. Comment ça baisse? En fait c'était des balles de fusil à pompe le truc, c'était pas des grenades. On fait comment du coup? Et comment ça? Bah on va monter de l'ascenseur et puis on va utiliser la carte rouge. Bah peut-être qu'on trouvera des grenades dedans, enfin quelque chose. Bah oui, justement, c'est ce que j'espère. Vas-y, on reviendra après. Oui. Bon, faut pas faire attention au graphisme, hein. C'est un jeu de 64, donc... Ah 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 ah, ah je t'aime. What? Reviens, t'as eu des putains de grenades si tu meurs. T'es fausse sa gueule à lui. On est à deuxième, y'en a un. Ah. Attends, fais péter ça, fais péter ça.
Voilà, je vais aller exploser le machin en bas maintenant. Attends. J'arrive pas à viser. Voilà. T'as gaspillé 3 balles rien que pour ça, super. Ah, c'est bon hein, oh oh. Oh y'a un monstre qui pop quoi. Hop 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 hop. Boum. Voilà, et derrière tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah il s'est touché par je ne sais quoi. Bah non mais tu vas le savoir pour moi donc. DSMG, DSMG. C'est tout. Joie, joie. Ouais, c'est des SMG, laisse tomber, c'est bien. Tu vas mourir, on va plus les avoir. Y'a un jetpack. Oh putain, t'as eu chaud. Il me reste 10 points de vie. Je sais pas comment on utilise le jetpack par contre. Bah tu sautes. Non. Oh putain, y'a encore un mec et j'ai plus que 10 points de vie, je peux pas y aller. Attends, je viens de sauver la vie. Aïe. Ah non, y'a pas de mec en fait. J'ai dû aller. Non, c'est dans mon écran. Ah non, y'a un mec dehors en fait. T'as vu en haut y'a le truc de Nanivision, mais toi t'as le jetpack, je sais pas comment l'utiliser. On va terminer le stage ou pas? Bah peut-être, ouais, ce serait une bonne idée. Bah vas-y, bah va appuyer sur. Enfin, je crois que je suis tout en bas donc ça va être chaud. Ah putain, c'est juste ignoble les contrôles. Bah oups. T'aurais pu redescendre l'ascenseur pour moi quand même. Tu te démerdes. Attends, moi on le fait ensemble. Oh! Non, je fais tout seul. Non! Ah, tu peux pas. Ah, t'es niqué. T'es sûr que c'est là la fin du stage? Ah, oui, oui, j'en suis sûr. Attends, je fais tomber! Comment on fait? Ça y est, c'est bon, autodestruction. Ah, j'ai cru qu'on avait bougé. Yeah! Press start to enter. Ah ouais, on va sauvegarder. Vas-y, oui. Tranquille. Ouais, ça tu l'as déjà fait. Il faut descendre. On va sauvegarder deux fois pour être sûr. On sait jamais, hein. Ok, tu fais déjà attaque. Ok, t'es mort. Le mec il arrive, il meurt direct quoi. Je peux pas t'en arriver. Attends, y'a un putain de mec en haut là. Moi mes contrôles sont pas bien faits pour la caméra vers le haut et tout, donc je peux pas le tuer. Tu sais le mec qui est dans. What? Tue le ce bâtard en l'air. Prends de la vie là-bas dans le coin. Tue ce bâtard en l'air. Oh là là là. Mourir. Là je trouve ça juste ignoble. Que allez, ta vie. Je passe du coup la caméra, elle redescend à chaque fois que. C'est bon, tu l'as eu. Oh putain. Non, j'arrive pas à l'avoir. Oh bâtard. J'arrive pas. Oh, la caméra elle me saoule, je vais en l'air, mais j'arrive pas à la stabiliser, elle redescend à chaque fois automatiquement donc Oh y'en a deux. C'est des enfoirés. Ah j'ai trouvé. Comment? En fait ça vise tout seul. Trop dur hein. Oh mais non, oh, c'est non. Quoi ce stage? Ouais, j'avais un fusil à pompe. J'ai plus de balles de fusil à pompe. Non. T'as encore ton jetpack? Je ne pense pas que je suis mort. Attends. Ah ouais, t'es mort. Oh putain, t'es nul. Attends, je me suis fait gangbang à peine arrivé dans le stage. Je suis toute la gueule. Mais y'a des mecs de partout. Vas-y, on se barre, j'ai plus de vie. This building is condemned. Celui-là il doit exploser, je sais plus comment, mais je crois qu'il va. Ah là là là. Ah là là là. Est-ce que t'as un bouton à l'intérieur pour péter le. T'es sûr que ça vise tout seul? What? Putain, il m'a défoncé! Il est là. Ouh, bah t'as secret. Juste, c'était une porte, hein. C'est pas un passage secret quand il y a une porte. Ouais, j'ai fait péter le cochon là. Et pour. Ah, c'est une armurerie le truc. Merci Captain Obvious. J'ai pas visé. J'aime bien parce que d'un côté on dirait une armurerie et de l'autre on dirait une librairie. Une bibliothèque. Normal. Putain. What?
Il y a une putain d'arme là-bas. Ah non, on peut peut-être pas la prendre. C'est le décor, c'est le décor. Ok, je suis carrément à côté, c'est trop. Pour balle pas, bah, j'ai plus de balles, donc bah moi je vais mettre des coups de pompe. Hein. Ah, il y a des boutons rouges. Tu peux appuyer sur le gros bouton. Oui, ça ouvre une porte. Bien joué. Ah, mais j'allais ouvrir. C'est les deux gauche et droite. Oui, oui, mais oui, mais faut juste que j'y arrive en fait. Oh non, il y a un monstre. Il y a pas. J'ai plus de vie. What? Et comment ça se fait que je viens de crever là, sérieux? What the fuck? Ah, j'ai réussi à survivre. Ah oh, putain. Je sais pas où je suis. Ouais, je vais aller creuser. Oh bah, je suis mort! Secret place! J'arrive dans la secret place, je meurs. Moi, je vais faire un caca. T'es passé par où? Ici, je suis dans les toilettes, là, je vais aller faire un caca. Oh putain, on peut même pas chier tranquille. Putain, il met midlife en deux attaques et moi, il lui faut 10 balles pour crever. Ouais, mais lui, il a un fusil à pompe, mais pas toi. Ah, j'ai trouvé un truc, là. Atomic Health. Moi, j'ai trouvé une technique pour dire d'esquiver toutes leurs balles, tu t'accroupis, ils peuvent plus te tirer dessus. À part quand ils s'accroupissent. Moi, j'ai éteint la lampe et... Il y a un génie qui est arrivé. Non, je crois. Oh, c'était bien, ça. Hop, voilà. Oh, bah... Vas-y, finis le jeu. Moi, je suis bien. Salaud. Encore des monstres. Vous allez me laisser tranquille, ouais. Oh, j'ai trouvé des rifles. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai eu une carte bleue. On va pouvoir aller acheter des trucs. Pardon. Tu sors. Dégage, tu sors. Attends, ici il y a un bouton. Oh, j'ai réussi à le battre avec un coup de pompe. Duck Nukem must die. Pas mal. Ok, je prends le raccourci, je passe par la fenêtre. Toi, tu vis dangereusement, toi. Carte bleue, où est-ce qu'on va pouvoir insérer? Dans ton cul. Non. Là, ça va pas marcher. Si, moi, je t'as été dans le restaurant? Aïe. Alors, vu le cochon en dessous de la table, ça m'étonnerait. Toujours là, lui? Putain, il est toujours là, l'enculé. Oh, mais putain, j'arrête pas de crever. Bah c'est là, mais t'étais pas là, donc j'ai galéré. Ah, t'as ramassé son pompe, je crois. Ah, ça c'est une vie, enfin, il me semble. Un holoduke. Oui, ça je sais lire, mais... Bah écoute, c'est la seule chose que je sais à propos de ce machin, alors... Je partage ma connaissance, tu vois. Oh bah. Du coup, on va où? Voilà. Bah, il y a l'usine pétrochimique. Ah, il y a une toilette, il y a des toilettes là. Parce que c'est qu'il y a toujours un mec dedans qu'on a toujours pas buté. J'ai trouvé un shot. Ah non, j'ai trouvé des balles de shotgun, mais. Ah, il y a deux mecs maintenant. Les mecs, ils font une partie, tu sais. Wouh, c'est parti, les gars! Oh putain, j'ai réussi à les avoir. C'est la fête dans le magasin. Ah, c'est la carte bleue, c'est pour faire péter l'immeuble, ouais. Je me rappelle. Attends, pousse-toi, je vais aller l'activer. Et fais gaffe, ouais. Reste pas en près fait, du truc fait. Parce que... C'est parti. Vas-y, c'est quoi le code? Ah, faut appuyer sur non. Tous, mais... Ah non. Pas ça. Attends. Mais arrête. Au hasard, allez. Non, là on a juste activé les 4. Where is it? Ah, ça y est. Oh, bon, il l'a fait. Je l'ai activé, je l'ai mis sur off direct. Non, fais pas péter le bâtiment. C'est nul.
YOLO. C'était nul. Ah, c'est des explosions sur deux Kneken 64. À quoi tu t'attendais, sérieux? C'est des explosions de dégâts. Là, il y a une. Je suis full life. Et là, on a une. La carte jaune, elle s'utilise ici. Attends, il y a un truc là. D'accord, ça marche pas. Me demande si. Quand tu vas, quand tu regardes vers le bas, ta caméra elle remonte tout seul. Oui. Et... C'est chiant, hein. Moi, ça me casse un peu les couilles en fait. Yeah. Let's go, bitches. Ah, il est pour moi. Non, il y en a deux. Putain, salope. Il y a surtout deux mecs. Non, moi, je parlais du fusil à pompe. On va prendre Jobien. Aïe. Putain, c'est juste ignoble de jouer sur PC, j'arrive même pas quoi. Oui, il y a la version PC. En fait, on est au même endroit, je crois, mais. Oui. T'es pas passé par la même porte que moi quoi. Attends, faut l'HP. Merde, trop tard. Ah, y'a une poubelle là, fais la péter. T'es passé par les conduits d'aération, c'est pas normal. Moi, je fais des techniques de ouf. T'appelles ta mère ou quoi? Attends, je vais essayer de tirer dessus. Vas-y. Allô. On se fait un billard. On va tirer dans la bonne boule. Hein. Ah, ouais. Dégage. Oui, je vais le faire. Non. Vas-y, comment t'as tout pourri? Mériterais la mort pour ça. Tu ne peux pas me tuer. Oh oh, en bas y'a un mec. En haut aussi. Alors moi je m'occupe du mec. Ah, yolo. Oh oh, je l'ai défoncé avec mon coup de pied. What? Je lui mets des coups de pompe. Yolo. Bah va en bas vite alors, tu vas peut-être pouvoir les défoncer tout de suite. Ça va trop vite là, je bois rien. T'es dans la cuisine? Non, mais t'es gonflé. En même temps, il y avait 3 mecs. Et ça allait super vite, je voyais absolument rien, c'était ignoble. Moi, j'ai un lance-grenade. Alors, si je me souviens bien, ici, il y a un passage secret. Et si tu te souviens mal, on fait quoi? Il y a bien un passage secret, c'était pour la carte rouge. En fait, je vais aller m'enfermer dans le truc parce qu'il y a deux cochons à côté de moi. Le premier est mort. Ah, j'ai ouvert le passage dans la. Ok, ça sert plus à rien, mais bon. Ouh. Le mec, il a un fusil à pompe, il a peur, et moi j'en ai dégommé deux cochons à moi tout seul. Au flingue. Eh, c'est bon, hein. Non, c'est pas bon. Bon, en plus, je récupère des munitions de S. Voilà, moi je suis là. Ouais, je reste là. J'ai plus que 3 points de vie, je peux pas mourir. C'est toi là? T'es où? Je suis caché. Ok. Ah, je m'en doutais. J'ai pris la carte ici. Bah, je m'en bats les couilles, je viens le niveau sans toi. Ah, j'ai plus usé. Ah, si, c'est par là. T'as 3 HP quoi. Ready, bitch? Attends, j'arrive. Let's go! What? Au revoir, Antoine. Content de jouer avec toi. Si, bah oui, j'étais pas en cours. Je l'espère, hein. C'est bon, je crois. Ah non, encore un. Ah, il y en a plus qu'un derrière toi! Ah, comment il t'a défoncé! Ouais, mais ils attaquent par derrière en même temps. Là, il y a un passage, je m'en souviens. Tu fais quoi? S'ils veulent me fister le cul, je peux pas faire grand chose. Hein. Ah, il y a encore des toilettes. What? Oh, les bâtards! Adieu. Oh, je me suis fait défoncer. Donc, comme je te disais, il y a un passage au fond. Ça a été un plaisir. Attends-moi. Putain, je me suis fait décapiter, quoi.
Mais pas le petit décapitage, hein, c'est... Ah. En fait... Là, t'as deux solutions. Soit tu mets la carte... La carte. Ok, moi j'ai une idée. Tu mets la carte... Que tu ne peux pas, puisqu'on n'a pas la carte, en fait. Quelle carte tu parles? Alors... T'es prêt ou pas? Non, parce que là, je vais leur défoncer la gueule, moi. Ouais, non, vas-y. J'ai pas la carte. Ok, j'ai une autre solution. On passe par le conduit, là. Et où le conduit? Au-dessus de toi, je crois. Ah oui. Par contre, je vais crever, hein. Je te préviens. Tu sors pas du conduit tant que je suis pas sorti. Wasabi! Bim! T'as où? Bonjour. C'est de tuer ce connard. Vas-y, ouvre-le. Hop. Ah, en fait, on aurait peut-être pas dû l'ouvrir. Au secours! Oh putain! Non, tu remarqueras que mon premier réflexe était de courir. De te cacher, ouais, bah. De me laisser dans la merde. Non, mais c'est cool, c'est cool. On a plus d'armes! Oh putain. Bah, toi, t'as des armes en forêt, moi j'ai rien du tout. Tu veux un shotgun et mytho? Non, là, mais. J'avais un. Ouais, mais. Non, mais là, j'ai plus rien là. Ah, bah, je viens t'aider! T'es mort. Je suis sous couverture! Ouvrez-moi. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Oh, tu l'as explosé. Oh putain, mais il s'est fait expulser la gueule. Wow, je crois que t'es mort. J'ai 9 FPS, je sais même pas si ça va être jouable. Visible ou je sais pas. Ça leur dit de se calmer là, ils arrêtent pas de tirer ces connards. Bonjour. Yes. Ok, je crois qu'on a, on tient le bout là. Oh putain. J'en ai marre. Putain, on arrête pas de crever, mais paye ton jeu de merde. Non, non, paye tes joueurs de merde, c'est surtout. Mais c'est pas facile quoi, sur PC, je vous assure, c'est trop, trop dur. Ouais, ben, avec une manette de 64, j'imagine pas le dégât, ça doit pas être. Mais toi, tu joues pas sur clavier donc, hein. Imagine avec un clavier avant d'imaginer avec une manette de 6. 4. Ah, j'essayerai même pas de jouer avec un clavier. Non, mais là, c'est ignoble, j'ai 14 FPS. Ah le bâtard. Donc j'ai une question. La porte, on venait de là. Ah merde. Ah, putain. On venait de ici. Non mais là faut aller là-bas. Ah ça se referme. Ah, le conseil qu'il est fermé. Faut faire le tour. Mais attends, j'ai une question quand même qui m'obsède. Quoi? On venait de cette petite... De la grande porte. De la grande porte blanche là. Ouais ouais. On avait nettoyé la zone. On a passé par le conduit. Ouais, derrière, ouais. On a ressorti par la porte là. Ouais. Comment ils ont fait pour les ennemis pour repopper aussi vite, sérieux? Je sais pas. Bah, par contre, je compte sur toi pour retourner dans le conduit et de rouvrir la porte. Oh non. Ah, c'est plus important pour moi, hein. C'est un calvaire. Les manettes vaincront. Merci. Bon. Bonjour. Bonjour, je vends du poisson. Alors là, faut monter là. Monter où? Là en haut. Attends, putain, je suis en calme. J'arrive pas à monter sur une putain de caisse. Vas-y! Oui, je le fais! Ah merde! Ah, t'es encore là toi? Connard. Y'en a deux autres, j'ai besoin de toi. Y'en a deux autres! J'arrive pas à monter, alors un peu de respect. Ok, bah je vais me le faire tout seul, moi. Wasabi! J'avais une balle dans le chargeur, c'est pas mal. Aide-moi avant que je crève! Non mais toi, t'es en mode je m'abaisse de partout!
Et que fait que moi me tirer dessus. Au dessus de toi. J'ai plus que mes pieds là. J'arrive pas à viser en haut. Ouah, je l'éclate. Ah non, c'est lui qui m'a éclaté, je crois. Putain, en plus on a la fin du niveau, c'est pas chiant. Non, lui il est mort. J'ai pas survécu à cette boucherie. Merde, j'en ai encore un. J'arrive pas à sauter. Hein, la fin du stage. Bah ouais, hein. Comment ça s'active? We are gonna fry your ass. Pourquoi je... Oui. Yeah. Félicitations. Bon, sur ce, on va arrêter la vidéo là, parce que je ne sais pas depuis combien de temps on stream, enfin... Je suis fastidieux quand même. Ça doit faire au moins 20 minutes, et je voulais pas faire une grande vidéo là-dessus, parce que c'était pas non plus... voilà. Après, Duke Nukem, mais on a sauvé aucune babe, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Il y avait pas de babe, comment tu veux sauver des babes s'il y a pas de babe? Ah si, on avait trois dans le niveau. Elles étaient où? Elles étaient aux toilettes, tu sais, mais attends, c'est bon quoi. Complètement caché. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. On fera d'autres jeux comme ça. Enfin, on fera pas du Duck Naked, mais on essaiera de changer de jeu et de vous faire découvrir d'autres jeux que vous n'aurez peut-être pas connus. En tout cas, c'était donc Duck Naked 64, un jeu sorti en... J'en ai rien à branler, je ne sais pas quelle année. Année 1900 et des breloques. Dans les années 90, hein, je peux pas vous dire quand, mais... c'était le meilleur Duck Naked, parce qu'il y en a eu un sur PlayStation 1, il me semble, qui était plutôt pas mal. Après, ils ont voulu en refaire un l'année dernière, ou il y a deux ans, sur PS3. Alors, Duck Nukem 64, il est sorti en 1997 en France. Je m'en doutais que c'était 97. Le 14 novembre 97 aux États-Unis, il était développé par Eurocom et édité par GT Interactive. Merci Wikipédia. Ouais, merci Wikipédia. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite de Zelda qui a quand même eu pas mal de retard ces temps-ci. Mais voilà, donc la prochaine fois qu'on fera du rétro gaming, on fera quoi, à ton avis, du GoldenEye Pas du GoldenEye, ça peut être sympa, ou du Star Wars Racer. Ah ouais, bah vous savez quoi, la prochaine fois on fera une petite vidéo sur Star Wars Racer. Donc c'est le seul, je crois, hein, qui se sorti de ce format là. Star Wars Racer, il est sorti sur Dreamcast et... Ouais, mais je veux dire, c'était quand même Star Wars Racer quoi, il n'y a pas eu d'autres jeux Star Wars en... Star Wars Racer, non. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire en fait. Star Wars Racer, donc... comme vous l'entendez dans le nom. Donc c'est des courses de bolides. Donc vous savez, dans Star Wars la menace fantôme, on avait... Quoi? C'est des courses de pod. Ouais, bah... Fait, sinon tu vas te faire traiter par des fans de Star je Wars. Je m'en bats les couilles. J'ai 16 personnes qui regardent mes vidéos. Ça va. C'est jamais c'est... Donc c'est les véhicules du Star Wars de numéro 1 du nom. Enfin, en fait, ça dépend comment. Sorti en 99. Ouais, ça dépend comment vous voyez la chose, puisque bah si vous dites le premier c'était le 6. Là tu sors. Non. Le premier c'était le 4 en fait. Ouais non pardon ouais non mais putain je suis vraiment débile. Ouais non mais je le savais en fait, c'est parce que je suis con. Non? Si, un peu, mais un c'est pas grave, on peut pas. Enfin, tu bref, remonter le non, mais ça... de ta tête. Ça, c'est censé être une outro. Là, ça fait quand même 5 minutes que je parle. Bon, bref, allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Salut à tous!